Estélien, il connaît bien Klinena, un savoir-faire pays qui vaut de l'or. Un savoir-faire du temps Bon Gramoun. Il est fabricant de chaises en paille. Sur l'empaillage, il fait ensemble feuille vaqua. L'omania de fer, il peut assembler azote facile et pourtant, c'est le parti le plus compliqué. Les traits techniques. On fait le nœud, on passe dans la bord avec trois brins, on tourne. Après, quand il était là, il y a main ici. Il faut miroir rajoute, moi, gagner tout le temps presque la même épaisseur. Hein. Le cicasse recommence. Et puis c'est les doigts aussi, j'ai fait mal les doigts. Les ampoules. Ils m'ont fait quand même. Ben oui, mais c'est minime ça. Avant, papa faisait. Et après, ben, nous l'a continué de faire. On avait souvenir ben, quand il faisait des tabourets, nous aussi que des dénivellés, nous portait dans les cannes avec. Quel âge vous avez? Ouf, moi j'avais moins 7 ans. Et ça, t'es ras là-haut quand tu vois lui faire ça? T'aimes bien? Oui. Oui, t'as une passion pour nous, oui. Et après, c'est vite à Montaou. Oui. T'es pas Montaou, nous, on avait fait pour nous appuyer nous-mêmes. On a appuyé petit peu par petit peu, oui. Le premier empaillé n'était pas trop joli, le deuxième empaillé n'était pas trop ça, mais après, à mesure, ben, vous gagnez rattrapé au-dessus. Même ça, l'évacuation pour la meilleure. Après, on tient les épines avec, notre épine. On tient trois rangs d'épines. Après, on prend d'un côté comme ça, après, on fond en brun, on frotte et après, on empaille. Ben, c'est le plus solide maintenant. C'est le vaquois, c'est le plus solide. Si on fait de la bonne paille, hein, faut la paille elle est bien. Faut pas les pourrir. Elle est bien sec, ouais. Et solide. Ouais. Pour fabriquer le banc de chaise, Estélien y a acheté deux bois traités que l'y travaille par la suite. Il faut en aller en cap. Et après, il arrondi. Et il fait le tabouret avec, mais il pèse tout. Alors, du fait, on va percer un trou là. Et tu n'as pas égal, vous imaginez après, il faut repérer pareil. Il faut les trouver précis par contre pour les tabourets, ça. Sinon les tabourets tombent. Donc, tu recommences quand tu n'es pas bon. Ouais. C'est chiant, mais. Après, à force, ben, on trouve le. Toute la tactique après. Et par moment, Estélien en a un petit assistant. Son petit-enfant, Evan, il donne à lui la main, la relève, l'est certainement assuré. Mais on regarde des papiers quand on fait le bois. Et plaît à où ça? Oui. Et un jour, on voudra faire pareil? Oui. Pas étonnant de vouloir faire comme papy, quand on voit le joli résultat. Chaise, tabouret, rocking chair, un travail, un passion, un tradition qui, grâce à deux mondes comme Estélien, y existe encore, la Réunion.